Allez, bonne journée tout le monde. Révisez bien. Allez, salut les gars, la semaine prochaine. Ciao, ciao. Monsieur, oui. Excusez-moi, j'ai un problème parce que j'ai pas pu suivre la dernière leçon. Oh la vache, t'as choisi le meilleur moment pour m'emmerder, toi. Oui, mais j'étais pas là la dernière fois. Oh, tu m'emmerdes avec tes cours. Mais je sais pas, moi, t'avais qu'à être là. Pourquoi t'étais pas là? Bah, j'étais malade. T'étais malade? Bah oui. Mais bah, pourquoi t'es pas mort? Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Samantha, la nouvelle élève. Oh, Samantha. Enchantée, Samantha. Enchantée. C'est ici le cours d'espagnol? Exactement, c'est ici. Bah, t'es bien tombée. Oh là là, bah, je savais pas qu'il y avait une nouvelle élève. T'es arrivée comme ça, en cours d'année, comme une petite fleur sur le, eh oui. Sur le gâteau. Eh oui. J'ai loupé un petit peu de cours depuis la rentrée. C'est possible de rattraper? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh ouais, bien sûr, on va prendre le temps, Samantha. D'accord. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais samedi soir vers 23h? Pour les cours? Ouais, pour rattraper les cours. Il y a une petite soirée chez Mimou, tout ça, comme ça on se pose, les canapes, tout ça, petite bouteille, comme ça, petit chicha, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Ok? Ouais, super. Tiens, je te fais un bisou. Ok. Allez. Parce que t'es adorable. On se voit samedi? Ok, d'accord. Bah super. Ça, tu prends mon numéro à l'accueil, hein, c'est inscrit dessus. Ok. Super. Ciao, ciao, ma belle. Salut. Ouais, vache. Trop bien. Monsieur, je vous ai proposé exactement la même chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Polo, t'en as d'autres des questions connes. Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis comme ça? Bah oui. Approche, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est une fille. Non, c'est pas juste une fille. Regarde-la bien. Bah, c'est la nouvelle. C'est pas juste la nouvelle. C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. C'est ce qui me donne la foi de continuer ce métier de merde. T'as compris? Regarde-moi ça. Regarde-moi ce cul. Est-ce que tu le vois bien? Oui. Super. Donc maintenant, tu ne m'emmerdes plus avec tes questions à la con, d'accord? Pas vrai, je veux tout leur expliquer, quoi. Ouais. Tu me plais. Je vais sortir avec toi. Quoi, comme ça, là, d'un coup? Non, pas d'un coup, mais du coup, je te le demande, là, tout de suite. Tu sais que toi aussi, tu me plais. Sérieux? Non, depuis. Oh, trop bien. Excusez-moi. Hein? Bonjour, je suis Zitoun, professeur. Je voudrais intervenir par rapport à la discussion que je viens d'entendre. Tom, tu veux sortir avec Angélique? Monsieur, elle est trop belle. Oui, non, elle est belle, mais... C'est une naine. Mais monsieur, respectez ma taille quand même. C'est quoi le problème? Non, j'ai aucun problème avec les nains, mais... Enfin, Tom, elle se lave dans une tasse, dans un lave-vaisselle. Mais monsieur, je suis pas naine, non. Puis c'est quoi votre problème avec les petites tailles? Wow. Voilà ce qu'on va faire. Je vais replacer la classe à mon image. Ah bah voilà. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, quoi. Eh mais monsieur, on va pas finir célibataire quand même. On est pas moche quand même, non? Non mais attendez monsieur, c'est un prof, non? Pourquoi est-ce qu'il est avec elle? Ah ouais, non mais moi je finis à 16h. Ah, du coup, jusqu'à demain matin, 8h, on peut ken, quoi. Oui? Monsieur, est-ce que je peux revenir en cours? Ah désolé gros, j'ai fait l'équipe. Mais je t'ai mis dans les réservistes. Monsieur, j'ai payé l'école 3000 balles, j'aimerais au moins assister à un cours, quoi. Bon bah... Je vais à la cantine. J'espère qu'il y a encore des éclairs au chocolat. Ça va les trouducs? Alors, je vais vous donner vos moyennes du deuxième trimestre, hein. C'est pas fameux, mais faut s'y coller. Monsieur? Autre chose à foutre quand même. Monsieur? Oui? J'ai manqué tout le trimestre, bah du coup, j'ai pas de notes. Ouais, je sais ma belle. Ah, je sais pas, ça m'embête un peu, tu veux combien? Je sais pas, 16? Ouais, je te mets 18. Mais la chance, j'ai eu combien moi monsieur? Toi Olivia, Olivia, t'as eu 11 ma belle. C'est tout? Ouais. T'as eu 16. Wow, monsieur, c'est quoi ce favoritisme? Moi, j'ai eu combien? Toi, t'as 8. C'est tout? Fais-moi un sourire. Allez, tu redescends à 5 pour les chicots. Et moi, monsieur, j'ai eu combien? Alors, toi, t'as au moins 3,2. Ça fait vraiment pas beaucoup. Bon, c'est déjà assez pour prendre la route, non? Hein? 3,2 grammes d'alcool dans le sang, faut arrêter la vodka avec les chocopops, hein? Tes parents, ils te font dormir dans la cave avant ou quoi? Mais moi, monsieur, vous m'avez oublié, hein? Oh, excuse-moi, mais lui, Lupucien, de toute façon, toi, depuis que t'as le premier rôle dans Fourmise, hein, tu te la racontes, hein? Enfin bref, t'as eu 6. Quoi, c'est tout? Ouais, t'as vu, même ta moyenne est plus grande que toi. Ah, mais faut pas déconner sur la taille aussi, hein. Calmez-vous. Hein. Ouais, c'est ta gueule. Non, mais monsieur, c'est bien connu, vous favorisez que les filles. Bah, qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi, t'es une fille, non? Alors, déjà, je suis non-genrée, et qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une fille? Je sais pas, t'as un carré plongeant, des bzaises, une voix insupportable. T'es quoi, t'es un dauphin, espèce de connasse? Alors, je me sens radiateur, ascendant chèvre. Ça marche, donc tu vois, je te mets 4, ascendant 0. Supplément, on va te faire cuire le cul à 45 degrés thermostasis.
en est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, c'est ciao. Et c'est ce qu'on appelle la génération X. Qui est née après 1995? Vous êtes donc de la génération Z. Alors, il n'y a pas une grosse différence d'âge, il n'y a pas une grosse différence de génération. Hein. Je suis très très jeune, je suis jeune. Hein. Qu'est-ce qui est vraiment différent entre toi et moi? Bah, monsieur Internet, hein. À votre époque, ça devait être bien bien galère. Hein. Ah, c'est vrai, c'était vraiment galère, mais on s'en sortait quand même, hein, je te rassure. Après, on avait nos codes hein, qui ressemblaient aux vôtres. Enfin, si par exemple, je vous dis... Eh bien, mais moi... Quoi? Feur. Bécile, là, tu vas pas venir, celle-là. Oh là là. Je préfère largement quoi couper, hein. Grave. Ouais. Oui, enfin, je veux dire, nous, au moins, ça voulait dire quelque chose. Bah, votre génération, elle était bien nulle avant. Ah ouais, j'avoue, on devait bien se faire chier. Oui, enfin, peut-être, mais on n'était pas tout le temps sur le téléphone. On passait du temps avec nos parents. Hein? Tu préfères passer du temps avec ta mère ou sur Instagram? TikTok. Voilà. Voilà. Oui, mais au moins, grâce à Internet, les femmes, elles peuvent beaucoup plus s'exprimer. Ça, c'est vrai. Ouais. Oui, pour les femmes. Sauf que maintenant, il y a des hommes qui se prennent pour des femmes. Oh, c'est dit. Oh, c'est sur Twitter, c'est sur Instagram, c'est déjà partout. Moi, je me sens femme. Je me sens femme, moi. Il y a un problème. On est tous d'accord, je veux me sentir femme si je veux. Ouais. Merci. J'ai aucun problème avec ça. Sauf que si je ken Shelly, 9 mois plus tard, je peux avoir des marmots. Pas sûr que quand t'es fini de te branler, ton mouchoir, il dit « Areux, areux !» Monsieur Zitoun, est-il vrai que vous êtes tombé amoureux de Madame Fégoli? Et c'est vrai que vous avez volé les résultats des examens? Monsieur Lagaule, est-ce que Chloé vous en veut encore? Mais qui vous a dénoncé? C'est Monsieur Ramirez? Monsieur Zitoun, Monsieur Lagaule, j'ai entendu dire que vous alliez vous faire virer, c'est vrai? D'ailleurs, que s'est-il passé au juste? Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on vous a pas dit. On va tout vous raconter. Wesh la School, la nouvelle série disponible très bientôt. On revient sur YouTube, la famille, avec plein de nouveaux projets, dont la nouvelle série Wesh la School. En attendant, pour te consoler, on a ouvert la boutique en ligne. Rendez-vous sur yacethomme.com pour retrouver tous les vêtements de la série. On a sorti une collection complète de tout le merch de la série. Édition limitée. Fermeture de la boutique le 31 janvier. Donc si vous voulez nous soutenir pour la série, n'hésitez pas, le lien est dans la description. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Bisous. Joyeux Noël. Et bonne année. 2024 promet d'être fou.